Je m'appelle Sarah Jolien-Fardel, j'ai 51 ans, je suis valaisanne, je vis en Valais. J'ai habité assez longtemps à Lausanne, que j'aime particulièrement, surtout pour son lac. Je suis journaliste et à côté de ça, j'écris depuis très longtemps. Je lis depuis que je sais lire et tout aussi, c'est aussi pareil avec l'écriture, j'écris depuis que je suis toute jeune. Et jusqu'à l'année dernière où j'ai brûlé tous mes écrits pour une raison personnelle. Sa préférée est mon premier roman qui est paru aux éditions Sabine Vespizer. C'est un monologue de Jeanne qui est le personnage principal, une fille qui vit en Valais, qui s'expatriera à Lausanne, si je puis dire. Les paysages d'ailleurs font partie sont partie prenante du roman, presque comme des personnages également. C'est une histoire de violence, oui, mais pas que. C'est aussi une histoire où l'espoir point par moment et ce qui me touchait le plus, moi, c'était de parler de quelqu'un qui n'arrivait pas, malgré tout ce qu'elle a pu tenter de faire et malgré le fait qu'elle aurait pu, franchement, réussir à digérer tout ça. Mais non, c'est vraiment l'empêchement.